et que les ouvriers disent bonsoir à tout le monde, comment je me porte aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers ce soir. Nous te remercions pour nos frères et sœurs. Nous te remercions pour la joie de te servir. Merci pour ton amour dans chaque. Nous demandons ce soir que tu nous fasses avancer ce soir dans le show de Dieu au nom de Jésus. Ouvre nos yeux pour voir, les yeux de nos pensées, les yeux de notre esprit pour voir correctement afin que nos pieds soient fermes et marcher dans le chemin du devoir au nom de Jésus. Ton peuple ne sera pas fatigué. Nous ne serons pas lassés. Il n'y aura plus de fatigue dans chaque œuvre. Nous ferons des exploits pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Aide-nous à avoir le succès. Nous prions pour le programme de nos jeunes qui viendra le 22 septembre. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les portes des cieux sur nos jeunes, afin que dans tout cet état, tu puisses toucher les vies de jeunes gens au nom de Jésus. Élève-les, Seigneur. Suscite-les pour encourager pour le courage et l'audacité au nom de Jésus. Nos jeunes réussiront. Ils vont réussir. Et ceux d'entre nous qui les dirigeons, nous aurons la joie sur nos jeunes au nom de Jésus. Bénis-nous ce soir. Et comme tu bénis aussi d'autres personnes, au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Dieu t'a déjà béni. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous venons dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le passage que nous venons de lire, l'ordre que j'ai reçu de mon Père, le passage que nous venons de lire nous parle à propos de Christ. Le Christ qui se présente lui-même, le Christ qui se décrit lui-même, le Christ qui démontre et se montre comme le berger, un bon berger. Comme il se présente comme le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Comme il le fait à cause de son amour, il dit, c'est vraiment volontairement que je l'ai fait. Il n'a pas été forcé pour le faire. Il n'a pas été poussé pour le faire. Il n'a pas été obligé de le faire. Il dit, je donne ma vie moi-même. Je donne ma vie, personne ne l'ôte de moi. Il dit, tout ce que je fais, ma vie, ce que je donne, mes compétences, ma gloire, tout ce que j'ai,
que j'ai laissé pour les brebis, je l'ai fait moi-même. Et c'est pourquoi mon père m'aime, parce que il voit mon amour pour les brebis. Et comme le Seigneur nous a suscités en tant qu'ouvriers, en tant que dirigeants de cellules, comme les pasteurs de district local, comme les pasteurs de district, les pasteurs de groupe de district, il nous a appelés à être des bergers, à œuvrer avec lui. Et il veut que nous démontrions le même amour, l'amour qui donne, l'amour qui montre le chemin, et l'amour qui se donne volontairement pour faire ce que nous sommes appelés à faire. Pas parce que nous sommes forts, c'est pas parce que nous sommes obligés, pas parce que quelqu'un nous contraint ou nous pousse, ce n'est pas parce que nous avons peur de la punition ou nous avons peur de la réprimande ou nous avons peur de la discipline ou nous avons peur de quelque chose d'autre, mais nous aimons simplement les brebis. Parce que nous aimons les brebis, c'est pourquoi nous donnons ce que nous donnons et c'est pourquoi, pas parce que nous donnons ce qui est nécessaire, mais nous allons au plus haut niveau, au plus extra, et nous allons même au-delà de ce qui nous est demandé. C'est comme si, c'est comme la mère qui prend soin de l'enfant. On pouvait prédire, la mère va faire ceci, voilà. Mais il y a toujours quelque chose de plus. Il y a un besoin dans cet enfant, dans ce bébé, que l'enfant exprime, que la mère n'a pas besoin de fouiller sa liste des choses à faire, mais elle se donne naturellement, spontanément, à cause de l'amour qu'elle a pour l'enfant. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le type d'amour que nous devons avoir, le type d'amour que lui-même a démontré, c'est un type d'amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de territoire, il n'a pas de limite. C'est un type d'amour qui n'a pas une sorte de restriction pour dire, montre-moi le périmètre de mon amour. Si je connais mon cahier de charge, je ferai ceci et c'est fini. Et c'est ça. Donnez-moi l'heure de fermeture. Effacez l'heure de la fermeture. Et lorsque cette heure sonne, je sors de ce. Je suis empressé de venir en seul. Je suis pressé de venir, mais de finir ce que je fais. Et une fois que je finis, je suis partie de ce lieu. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le type d'amour que le Seigneur a démontré. Il a démontré un type d'amour parfait. Ce soir, nous considérons le message, le berger, l'amour parfait du berger pour les brebis. L'amour parfait du berger pour les brebis. Il nous dit dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour qu'on en puisse démontrer que de donner sa vie. Vous savez, le contenu de cet amour, c'est un homme qui a grandi, un homme qui a le désir de vivre, c'est un homme qui connaît le prix de la vie, la nécessité de la vie, qui connaît la joie de vivre, qui connaît l'excitation qu'il y a dans le fait de vivre. C'est de quelqu'un qui a les plans, qui dit, quand je serai grand, je ferai ceci, je vais accomplir ceci, je vais accomplir cela. Et tout d'un coup, il y a un besoin qui survient, mais il laisse sa vie, il donne sa vie pour ses amis. Il dit, j'oublie tous mes rêves, j'oublie tous mes objectifs, j'oublie toutes mes aspirations, j'oublie toutes mes ambitions à cause de mes amis. Je donne ma vie, ma propre vie, je donne mes propres ambitions, je donne ma propre aspiration. Je laisse tomber tous mes rêves auxquels j'avais pensé. Vous savez, c'est le type d'amour que le Seigneur a démontré pour nous. Il a laissé sa gloire au ciel, il a laissé l'adoration des anges au ciel, il a tout laissé, le respect qu'il avait dans l'éternité, avant même que le monde ne soit fondé. Il a tout abandonné et il est venu ici-bas, il a souffert pour nous et il dit, cherchez, il dit, cherchez dans la Bible, fouillez dans l'histoire, fouillez partout. Depuis que l'humanité a commencé par exister, personne, aucun homme n'a eu un tel amour de si grand, aussi grand, et qu'il a donné sa vie pour ses frères. Et vous savez, il ne savait pas de donner sa vie
quand vous considérez Jésus-Christ, ce n'est pas que c'est pas une mort subite, c'est pas une mort de la gluttine où on va couper juste la tête, non, c'est pas une mort subite, il y avait la trahison. Il savait que cela arrivait et dit, je vais traverser cela. Il y avait aussi les gifles et aussi les bastonnades qu'il a souffertes. Et dit, je savais que je vais traverser cela. Pourquoi? Parce que à cause de l'amour, vous savez, l'amour auquel nous sommes appelés, le berger, l'œuvre du dirigeant, du ministre, il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura pas des épines sur leur chemin, il n'y aura pas de défis dans le ministère, il n'y aura pas de moments d'inconvénience, des moments de souffrance. Et parce que je vais servir le Seigneur facilement, je vais servir le Seigneur lorsque tout le monde dit oui, 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 sœur, nous t'apprécions, sœur. C'est bon d'être, de faire face aux défis. Et je savais qu'il y aura les défis. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour. Même si je sais que le traître viendra, je sais qu'il y a les souffrances qui viennent, même si je sais qu'il y a la crucifixion qui vient, finalement, ils l'ont interrogé. Dans tout l'interrogatoire, Pilate a dit, je ne trouve aucune faute en cet homme. Et pourtant, il a flagellé, il a battu. C'est injuste, ça c'est. Pourquoi le frappez-vous? Parce que vous avez dit, il n'y a rien. Et maintenant, les soldats ont mis la couronne d'épines sur sa tête. Et Jésus savait que ce n'était pas juste. Et pourtant, il dit, oui, je vais supporter. Je vais endurer sans murmure, sans plainte. Je vais endurer sans murmure. Et lorsque Pilate a dit, ne me réponds-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? J'ai le pouvoir de te relâcher? Il dit, tu le penses ainsi? Tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir sur moi. Si tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi, si je ne m'étais pas soumis à toi, même les gens qui me sont livrés n'ont aucun pouvoir sur moi. J'aurais pu invoquer les anges au ciel pour les disperser, mais à cause de l'amour, il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme puisse donner que de donner sa vie pour ses amis. Comme nous suivons le Seigneur comme notre berger, comme nous suivons le Seigneur en tant qu'ouvrier, comme nous suivons le Seigneur en tant que des gens qui se tiennent pour lui, qui le représente, c'est ce type d'amour. C'est pour que même lorsqu'il y a la chaleur, même lorsqu'il y a les difficultés, lorsqu'il y a les défis, c'est pas que vous n'avez pas besoin d'être fort. Quelqu'un dit, si vous devez endurer, si vous devez traverser tout cela, vous devez être fort. Non, pas du tout. Regardez votre mère. Une mère, parfois même la mère est parfois une adolescente, une mère adolescente, et elle n'a pas toutes les leçons, tout. Toutes les astuces de la maternité. Elle ne sait pas à quelle heure il faut se lever à 5h du matin, ceci, tu dois faire ça. Voilà, c'est une fille, c'est une fillette. Elle est une adolescente. Avant que l'enfant ne vienne, cette adolescente ne faisait que dormir. Elle ne faisait peut-être, parfois, au-delà de 7h. Maintenant, elle a un bébé, elle a un enfant. Maintenant, toutes les contraintes qu'elle doit supporter, elle va dire non, je vais le faire parce que c'est mon enfant, c'est mon bébé, quel que soit. Et elle se lève pour laver ceci, faire ceci. Même une fille qui ne pouvait même pas laver ses habits, ses propres habits, maintenant elle met tout en ordre à cause de quoi? À cause de l'amour. Et nous devons avoir l'amour que le berger a pour les brebis. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Les défis du ministère que vous affrontez sans vous plaindre, les difficultés, les douleurs que vous affrontez sans pleurer parce que vous aimez les gens. Vous savez, vous êtes dans le bus, peut-être une mère a un bébé et le bébé, pour une raison ou une autre, l'enfant a commencé pas crier. Et parce que ce n'est pas ton enfant, dans ton cœur, tu te sens irrité. Tu dis, pourquoi laisser l'enfant crier comme ça? Pourquoi la mère laisse cet enfant crier? Et la mère va oublier toute la foule autour d'elle, le tumulte. Elle sera en train de dorloter l'enfant pendant que la mère chante, l'enfant crie. Et même
Peut-être vous êtes embarrassé parce que l'enfant crie et perturbe tout le monde dans le bus. Et cette mère ne se préoccupe même pas de tout le monde, de personne. Vous savez pourquoi? Il y a l'amour. Et la même chose, lorsque nous servons avec l'amour, c'est le type d'amour que le Seigneur attend de chacun de nous pour que tu puisses le servir. Dieu merci, tu sais le Seigneur. Tu vas le servir. Tu vas mieux le servir. Je le servirai mieux. Il n'y a pas de murmure. Je dis, il n'y a pas de plainte. Plus de murmure. Plus d'embarrassement, plus de tumulte. Même lorsque l'un de mes enfants, l'un de ses enfants, dans la cellule ou bien à l'église, il pleure, il crie, et vient frapper à votre porte, et que les voisins disent, pourquoi tes gens d'église viennent, ils viennent encore, ils sont venus. Mais tu ne seras pas troublé. Tu vas les accueillir. Parce que voici un ouvrier qui prends soin des gens qui aiment les gens, et voici un ouvrier qui se donne pour le soin, pour prendre soin. Parce qu'il n'y a pas de plus grand soin, il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme puisse donner que de donner sa vie pour ses amis. Voyez ce qui suit. Il dit dans le verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Jean 15, 14, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Pensez à cela. Tout ce que j'ai appris de mon père, je vous ai fait connaître tout cela. Il s'agit là de l'amour. Vous savez, le berger qui établit sur les brebis, qui aime les brebis, il ne garde aucun secret. Vous savez, ils sont tellement discrets. Il y a certaines personnes qui sont tellement discrètes. Ils sont des hommes et des femmes pour eux-mêmes. Ils sont détachés de les brebis qu'ils dirigent. Ils sont détachés des membres qu'ils dirigent. Il est tellement jeune pour connaître tout de moi. Il est tellement loin de moi. Il est distancé de moi. Nous ne sommes pas du même rang. Je suis à ce niveau et elle est à ce niveau bas. Il ne peut pas donner l'exemple de leur vie à ces personnes-là. Ils peuvent ouvrir la Bible, ils peuvent lire les Écritures et leur vie, ce que cette personne traverse, c'est similaire à ce que lui-même a vécu et à ce qu'elle a vécu. Tu sais, non, parce que je dois toujours garder mon propre respect, je dois toujours garder la distance, les informations me concernant. Vous savez, vous ne démontrez même pas l'amour. Ils ne démontrent même pas l'amour qu'ils démontrent à leur fille biologique, à leur fils biologique. Peut-être si c'était l'enfant biologique, vous a dit, voici, viens ma fille, voici, viens mon. Tu sais, quand j'étais jeune, voici ce qui m'est arrivé. Tout ce que tu traverses là, je l'ai traversé quand j'étais jeune. Et l'enfant va recevoir l'encouragement. Vous savez, ces dirigeants, ils sont tellement préoccupés par leur respect. Ils sont vraiment dans leur tour élevé là-bas. Et ils ont seulement l'amour théorique. Je prie que ton amour ne soit pas théorique. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 1. Jean chapitre 13, le verset 1. Et nous parle de quelque chose dans Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, de passer de ce monde au Père, arrêtez-vous un instant, qu'il devait passer de ce monde, vous voyez, il ne se comportait pas comme quelqu'un qui a dormi et dans le sommeil il est parti et il a trépassé. Non, on l'a vu hier. Et il était en bonne santé. Et cet homme n'avait aucune douleur. Et tout le monde dit, tout le monde, chacun, certains vont dire, laisse-moi mourir comme ça. Je vais juste m'endormir et tout d'un coup, je suis parti. Mais vous savez, Jésus-Christ, il a traversé les trahisons, les épreuves, les troubles, l'agonie, Gethsémané, les pleurs et les fissures de sang. Ça veut dire que son sang, il a saigné. Ça veut dire que son sang a coulé. Il a prié même, il a sué. Et c'est écoulé comme du sang. Il a souffert toutes sortes de reproches, de moqueries. Il savait que tout cela allait venir. Vous voyez, ce qui suit. Il savait qu'il devait passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, lisez-moi ce que vous lisez là.
Il mit le comble à son amour pour eux. Dieu merci parce que vous êtes là. Il y a d'autres ouvriers, s'ils ont un peu de problèmes, un peu de maux de cœur, un peu de défis, un peu seulement d'inconfort dans leur lieu de travail, ils ne peuvent même plus venir à la réunion des ouvriers. Ils ont seulement quelques empêchements et ils te disent non, je ne peux plus aller à la salle de maison. S'ils ont seulement un peu de pression, peut-être leur propriétaire fait du bruit chez eux. Et peut-être c'est la femme, le mari qui ne comprend pas la femme, ou bien la femme qui ne comprend pas le mari. Et à cause de ce petit défi, et ils ne sont plus à mesure de faire leur devoir. Mais Jésus-Christ, le berger, qui avait un amour parfait pour les brebis, dit, oui, les problèmes, je sais que les problèmes viendront. Oui, les défis, je sais que les défis viendront. Oui, les problèmes, les troubles, l'agonie et la souffrance, je sais que toutes ces choses viendront. Et la trahison, et même l'un de mes disciples va me détruire, me trahir. Mais malgré tout cela, il les aima au comble. Je prie que cela sera rapporté de toi. Jean chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Il n'y a plus de doute dans votre cœur que l'amour de Jésus-Christ est un amour parfait. Un amour parfait. Un amour parfait. Et pourtant, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Vous êtes avec moi, vous avez été avec moi, vous m'avez observé et vous avez vu le type d'amour que j'ai manifesté. Et voici le nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Cela sera accompli. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est à travers cet amour, l'amour parfait, l'amour à l'image de Christ, l'amour progressif, l'amour pratique, l'amour qui purifie, c'est à ceci qui nous aide, c'est ça qui aide les autres, qui pousse les autres, comme Jésus-Christ aurait pu faire ce que Jésus-Christ aurait pu faire s'il était ici. C'est ce type d'amour, c'est un amour d'abnégation, un amour qui oublie. Tu oublies tes défis, tu oublies la pression que tu rencontres dans ton lieu de travail ou dans ta communauté. Tu oublies toutes choses et tu es maintenant soucié des autres. Tu n'as pas de fermer les yeux. Même, regardez ceci, lorsqu'il était déjà trahi et les gens sont tombés à terre, il dit, j'ai dit, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, Jésus. Il dit, je vous l'ai déjà dit que je le suis. Si vous me cherchez, laissez ceci partir. Vous voyez, pensez toujours à la protection, à la sécurité de ses disciples. Lorsqu'il était déjà trahi et arrêté, et quelqu'un a tiré l'épée et a coupé l'oreille de quelqu'un, qui était cette personne-là? Et ensuite, il s'est courbé. Regardez cela, regardez ceci, l'amour qu'il avait. Cet amour, même bien qu'il savait que c'était le commencement d'une situation sérieuse et des problèmes sérieux, il s'est courbé, il a pris l'oreille et l'a replacé. Et il a opéré le miracle, même pour son ennemi, ses ennemis. Et il dit à Pierre, reprends ton épée, remets ton épée, parce que celui qui tue pas l'épée et ne veut pas, je ne veux pas que tu fasse ceci, n'utilise pas l'épée, parce que mon royaume n'est pas de ce monde, parce que si mon royaume était de ce monde, j'aurais invoqué mon père, et parce que mon roi n'est pas de ce monde, c'est pourquoi nous n'avons pas utilisé les méthodes charnales. Il avait encore, il aimait toujours, Pierre, et dit, c'est exactement ce à quoi j'étais appelé, et je t'ai montré, je t'ai laissé un exemple pour que tu puisses suivre ce que j'ai fait. Lorsque ton tour viendra, tu vas le faire. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Le verset 15. Jean, chapitre 21. Le verset 15. Dans le verset 15, il nous dit, ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, qui pose la question à Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Bien,
Tu n'as pas la raison de poser la question, le droit de poser cette question, de me demander si je t'aime plus que ceci, si toi-même tu n'as pas un plus grand amour, parce que Jésus-Christ nous aime et il aime les pécheurs. Il aime ceux-là pour qui il est venu sauver plus que sa gloire au ciel. Il nous aime, il nous a aimés plus que les anges au ciel. Il nous a aimés plus que toute la splendeur du paradis et du ciel. Il nous a aimés plus que toute l'adoration des anges au ciel. Et parce qu'il nous a aimés plus que tous, il a maintenant le droit, il avait raison de demander, Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Voyez le verset 15. Simon Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Pierre. Tu n'as pas répondu à la question. Si j'étais à ta place, si j'étais un enseignant, je suis encore enseignant dans l'école. Vous savez, si je demande, l'aimes-tu plus que ceci? S'il devait répondre à l'affirmative, il a dit, oui, Seigneur, je t'aime plus que ceci. Mais vous savez, il n'a pas fini la phrase. Il a juste dit, oui, Seigneur, je t'aime. Il le dit, Père, mes agneaux. Tu penses que nourris-les comme je t'ai nourri. Alors, va, tu as dit à d'autres, je vais pécher. Si tu m'avais aimé, tu n'allais pas pécher. Pierre était à un mauvais endroit. Et tu étais à un mauvais endroit. Et j'ai dit, enfant, avez-vous quelque chose à manger? Mais au lieu de te châtier, au lieu de te réprimer, j'ai juste posé la question. Enfant, avez-vous quelque chose à manger? Et vous avez dit non. Et il a dit, jetez votre filet de l'autre côté de la mer. Et vous avez attrapé de poissons. Et tu as jeté ton filet. Et tu as attrapé d'abondance de poissons. Et même vous avez mangé. Et je vous ai appelé pour dire, venez manger. Et j'ai tout préparé pour vous. C'est le type d'amour que j'ai démontré. C'est le type d'amour que j'ai manifesté. Et je veux que tu manifestes le même type d'amour envers d'autres personnes. C'est pourquoi je te pose la question, Simon Pierre. M'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci? Et le Seigneur pose toujours encore la question. C'est un type d'amour parfait qu'il a démontré. C'est un amour productif et pratique qu'il a démontré. Et il veut que nous montrions le même type. Ce n'est pas un amour théorique. Ce n'est pas un amour doctrinal, ce n'est pas un amour de chapitre renversé, c'est un amour pratique. Voici le verset 16. Voilà le verset 16. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a maintenant ôté la portion de la foi plus que les autres. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur Jésus s'est vraiment accommodé, ajusté à sa limitation? M'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Est-ce que vous avez constaté quelque chose là? Il n'a pas dit, c'est ce que tu as dit auparavant, et tu as dit que tu as mouru avec moi, et tu as mouru pour moi, tu avais dit que tu m'aimes, voici ce qui s'est passé. Jésus n'a rien mentionné du passé, de son erreur. Il s'agit de l'amour. Il a permis de sauver sa face. Il a permis d'oublier même son passé, d'oublier sa culpabilité parce qu'il a pardonné. Et il l'appelle maintenant à nouveau pour le servir. Nous devons agir de même autant pour les gens. Peut-être notre venue au réunion de samedi, de dimanche, ou au réunion de développement des leaders les mardis, nous devons prendre cette leçon, nous devons tirer la leçon et l'appliquer à notre vie. Et les choses doivent s'améliorer. Je dis, les choses doivent s'améliorer. Dans le verset 17, maintenant, il lui dit pour la troisième fois, à la troisième fois, combien de fois Pierre a-t-il renié Christ? Trois fois. Et Jésus, sans même mentionner quelque chose de cela, mais il voulait lui rappeler, mais il ne voulait pas le rappeler directement. Il lui a posé la question pour une troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Pierre maintenant avait compris la leçon. Tu vas comprendre la leçon. Tu vas comprendre. Tu vas le saisir. Ouais, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous n'écoutez pas. Et que ces paroles ne vous touchent pas. Et que cela ne vous choque pas. Si vous entendez la parole et qu'elle ne suscite pas une émotion dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton cerveau, tu entends la parole et que cette parole ne te rappelle pas de ce que tu as fait, de comment tu as accompli l'œuvre du Seigneur, de comment tu n'as pas donné ton meilleur pour le Seigneur.
Et tu écoutes mal la parole. Tu vois le point numéro 1, le point numéro 2, et tu vois l'attitude du message. Tu dis, oui, c'est bien. Si c'est ainsi, et si c'est ainsi, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Mais Pierre fut attristé du fait qu'il lui a posé la question pour la troisième fois. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Vous savez, les choses sont différentes maintenant. Tu sais que depuis que tu t'es révélé sur la berge et que deux disciples ont dit, ah, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Et quand j'ai entendu et j'ai vu ce que tu as fait et la méthode que tu as utilisée, quand tu as dit, venez, et que même quand je mangeais cette nourriture, je dis, regarde Jésus, regarde mon berger, regarde mon sauveur. Oh, rends-moi semblable à toi. Les choses ont changé. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, Père, mais. Et je lui dis, tout le monde, dites-le à haute voix, Père, mes brebis. Si tu aimes le Seigneur, tu vas paître ses brebis. Tu vas prendre soin de ses brebis. Et tu seras en train de penser, voici les brebis du Seigneur, voici les agneaux du Seigneur. Et ton action, ton attitude envers les brebis, ton attitude envers les agneaux va refléter le type d'amour, l'amour, la passion que tu as pour les brebis. Il ne s'agit pas seulement des brebis, il ne s'agit pas seulement des agneaux, mais il s'agit des choses qui appartiennent au Seigneur. Parce que ces agneaux, ces brebis appartiennent au Seigneur. Je dois prendre soin de cela parce que je le fais pour mon Seigneur. Nous voyons l'amour parfait du berger pour les brebis. Nous allons voir trois choses dans le message. Premièrement, l'amour parfait de notre Sauveur. L'amour parfait de notre Sauveur. Deuxièmement, l'amour pur parmi les saints. L'amour pur parmi les saints. Troisièmement, notre amour persévérant pour le berger. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de notre amour pour le berger. Oui, parce que nous appartenons à l'Église, nous sommes dans la vie profonde, nous chantons pour la congrégation, nous sommes en train de faire la surveillance, nous faisons la sécurité, nous faisons quel que ce que nous faisons, peu importe ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Comme au Seigneur, nous le faisons parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a nous têtait son amour, nous têtait sa compassion, nous têtait son don de soi, sans réserve, sans restriction, sans limite, nous ne serions pas ici. Nous têtait pas lui, nous ne ferions pas ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous ne sommes pas fatigués, c'est pourquoi nous sommes même lorsque les gens, vous voyez, les gens de la vie profonde. Bien que les gens nous critiquent pour dire, les gens de la vie profonde sont très occupés, sont hyper occupés. Ils se battent. Peut-être ils sont partis là-bas pour, peut-être ils sont allés chercher quelqu'un. Peut-être ils sont, vous les cherchez, ils sont à la chorale, soit à la réunion des ouvriers, au leader. Ils sont toujours occupés à faire quelque chose. Toujours quelque chose est en train d'être fait. Dieu merci, quelque chose est en train d'être fait toujours. Et tu ne seras pas fatigué au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous le faisons pour le Seigneur, nous ne le faisons pas pour eux, nous ne le faisons pas pour un homme. Et même lorsque nous visitons les pécheurs, nous ne le faisons pas pour les pécheurs, nous le faisons pour le Seigneur. Même si nous visitons les membres, nous ne le faisons pas pour les membres, mais nous visitons et nous aidons les gens à cause du Seigneur. Notre amour persévérant pour le berger. Dites-moi le point numéro 1 là-bas. L'amour parfait de notre Sauveur. Nous devons commencer avec lui. Parce que c'est à cause de son amour que nous sommes là. Et alors, nous reproduisons cet amour. Et c'est pourquoi nous sortons de nos voies pour aimer son peuple. Considérons 1 Jean chapitre 4, verset 9. 1 Jean chapitre 4, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il s'agit là de l'amour, c'est l'amour ça. Nous croyons en cet amour dans le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Lisez le verset 18. Le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous pouvez voir ce qui est dans la pensée du Christ. Il était confronté par les pharisiens. Et ils avaient dit, ils vont le crucifier. Même Caïphe a dit, tu n'as rien fait.
C'est important. Ne savez-vous pas qu'il est né qu'un seul, mais pour les autres, il n'avait pas peur de Caïphe, parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Regardez la mère encore. L'enfant est en train maintenant, est sur le point de marcher, et comme elle va au marché, la mère tenant la mère de l'enfant au marché, tout d'un coup, l'enfant va être libre et s'éclipse la mère de la mère. Et vous voulez traverser la route. Et comme il veut traverser la route, et la mère a vu un véhicule qui veut venir, qu'est-ce que la mère fait? Est-ce que la mère va se retirer pour dire, oh, mon enfant est parti? Est-ce que la mère va faire? Que va faire la mère? Tu sais que l'enfant n'est pas. La mère n'a pas peur du véhicule, parce que l'amour est une émotion forte plus que la crainte. L'amour va triompher de cette peur pour aller. Parce que si la mère va surgir en même temps, si le chauffeur n'a pas vu l'enfant, le chauffeur va voir la mère. Vous savez, ceux qui aiment l'enfant en même temps avaient vraiment vont lever la main pour dire quelque chose va se passer. Mais vous savez, lorsque vous avez l'amour, il n'y a pas de crainte. Et vous vous souvenez, lorsque vous étiez sur le point de vous marier, je peux décrire. Vous voyez, il y avait de vous quitter des endroits pour aller à d'autres endroits. Et lorsque vous revenez la nuit, et les endroits c'était noir, vous avez la rencontre, vous avez un rendez-vous pour voir votre chère, votre chérie, quel que soit le nom que vous donnez. Peut-être vous avez juste commencé les fiançailles, vous n'êtes même pas encore marié. Et quand tu te rends là-bas, et la nuit tombait, était sur le point de tomber, et c'était l'endroit c'était dangereux pour sortir, mais tu ne regardais même pas ta montre. Vous savez, tu ne regardes même pas le temps pour dire, après avoir tout mis. Et après, comme tu t'en vas, elle va sortir pour t'accompagner, pour dire, tu peux repartir un peu, je vais t'accompagner un peu. Quand on va atteindre ce poteau électrique, je vais me retourner. Maintenant, quand vous allez arriver, toi, dis, tu peux retourner. Mais est-ce que tu te souviens? Et tu te rappelles. Et finalement, elle retourne. Et avant que tu n'atteignes la maison, c'était déjà tard. Et tu n'as pas rappelé du fait qu'on a dit que c'est dangereux de sortir la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour annule la peur. L'amour annule. Le Seigneur nous a aimés. Et il a oublié toutes les douleurs, toutes les persécutions, les douleurs de la trahison, les douleurs de la crucifixion. Et il a affronté la persécution, la crucifixion. Il savait qu'il allait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que il s'est focalisé jusqu'à ce qu'il a dit, tout est accompli. Nous-mêmes, nous devons servir le Seigneur. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour. Je dis, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Lorsque vous aimez le Seigneur et que vous aimez les brebis, comme il a aimé les brebis, toute peur sera dissipée de votre cœur au nom de Jésus. Ce n'est pas que vous combattez contre la peur ou la crainte. Ce n'est pas que vous vous débattez contre la crainte. C'est que vous êtes absorbé par l'œuvre que vous êtes en train de faire. Vous êtes complètement pris par l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir. Et le Seigneur va préserver votre vie. Et votre amour, qui est un amour parfait, qui est aliment de Christ, cet amour ne sera pas en vain au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi, dites-le-moi, aime aussi son frère. Il s'agit de l'amour du Seigneur Jésus Christ et c'est un amour parfait. Nous venons dans Romains 5, 6.
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. C'est l'amour. Il s'agit de l'amour. Christ est mort pour des impies. Levez les yeux ici pour un instant. Comment Christ peut-il mourir pour les impies? Parce qu'il ne les a pas vus, considérés, perçus comme ils étaient. Il ne les voyait pas. Permettez-moi de revenir toujours sur le cas de la mère qui prend soin de son enfant. Si une mère est une mère visionnaire, si c'est une mère visionnaire qui projette dans le futur, si c'est une mère qui a d'objectifs, qui a déjà prié pour dire cet enfant va devenir tel ou tel. Alors la mère ne regarde pas l'état actuel de l'enfant. Elle sait que cet enfant va devenir un président. Donnez-moi quelques amis là-bas. Cet enfant va devenir un docteur. Est-ce que vous pouvez avoir un ami là-bas? Cet enfant va devenir quelqu'un qui va servir des millions, qui va impacter la vie des millions de personnes à cause de cet objectif, de cette gloire que la mère regarde maintenant. Dans le futur, elle prend soin de cet enfant. Et c'est comme ça que le Seigneur te regarde aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui, mais c'est ce que tu seras dans le futur. Tu seras quelqu'un. Même bien que tu n'aies rien maintenant, comme un vaurien, mais Dieu merci, tu deviendras quelqu'un. Si tu le crois, démontre-le-moi que tu crois que tu seras quelqu'un. Regardez maintenant. Ils étaient impies, mais c'est comme, laissez-moi vous rappeler de Pierre. Regardez bien Pierre. Regardez toutes ses chutes, sa vie de haut et de bas. Et Pierre dit, je m'en vais, je retourne pécher. Jésus, Seigneur Jésus, pourquoi vas-tu poursuivre, chercher cet homme encore? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches encore? Regarde cet homme qui t'a renié, qui a dit même qu'il ne te connaît pas. Et il a même suscité de pour dire, allons à la pêche. Mais Jésus dit, je ne regarde pas tel qu'il est maintenant, je le regarde tel qu'il sera au jour de la Pentecôte. Le jour, je regarde comment il sera. En ce jour, dans Actes chapitre 3, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout le monde dise, lève-toi et marche. Et cela s'est produit. Et cela s'est produit. Vous savez, lorsque vous regardez les gens, il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies. Il nous a aimés lorsque nous étions encore instables. Parce qu'il savait que nous ne pouvons pas demeurer comme ça. C'est pourquoi il a démontré ce type d'amour. Le verset 7. Dans le verset 7, dans Romains chapitre 5, le verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8, voyons le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, un amour sans limite, un amour sans borne, un amour sans réserve. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il s'agit là de l'amour parfait. C'est un type d'amour qui nous a transformés et nous a changés complètement. Vous venez dans 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Comment pouvez-vous aimer un blasphémateur? Qui, vous savez, plus tard est devenu un croyant. Vous savez, il va devenir un ambassadeur. Oui, il va devenir un prédicateur. Il deviendra un homme qui opère des miracles. Il deviendra un homme qui ouvre la porte aux païens. Et c'est pourquoi vous ne devez pas considérer ce qu'il est maintenant. C'est pourquoi Christ l'a aimé. Et il dit, j'étais un persécuteur, un homme, mais je devais devenir un prédicateur. J'étais un homme violent, alors j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. L'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole. Verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ici, vous pouvez raconter, vous pouvez témoigner l'amour de Christ envers l'apôtre Paul de Tarse, Saul de Tarse. Il savait ce que ce Saul deviendrait. C'est pourquoi il démontre ce type d'amour. Et c'est un amour parfait. C'est l'amour qui dit,
C'est un amour qui sauve, c'est un amour qui sanctifie. Il nous dit dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, le verset 11, car la grâce de Dieu, source du salut, s'est manifestée, a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quand la grâce vient à nous, elle ne nous laisse pas tel que nous sommes au point où nous étions. Dieu nous transforme, il nous change et nous métamorphose. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné, il s'est de l'amour, qui s'est donné. Il n'a pas réservé une partie de son corps. Il dit, je réserve ma dignité. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils sont tellement conscients de leur dignité, ils sont tellement conscients de leur honneur, ils sont tellement conscients de leur position, ils sont tellement préoccupés de leur personnalité. Il dit, oui, je sais le Seigneur, mais je ne veux pas que tu oublies que qui je suis. Hein. Je ne veux pas que tu oublies mon honneur, hein. Je ne veux pas que tu oublies mon titre. Hein. Ce n'est pas là un amour total. Vous savez, lorsque vous aimez des gens, vous oubliez, vous oubliez. C'est comme quelqu'un qui vient te visiter. Et comme un petit enfant qui vient de naître. Et cette personne vient. Il regarde son habillement. Et vous lui remettez l'enfant. Et il est en train de se retirer, de se retirer. Et tu dis, pourquoi tu te retires? Je te donne mon enfant et pour que tu puisses prendre mon enfant. Et que tu démontres l'affection à mon... Et dit, oui, je comprends. Mais je suis vraiment désolé. Tu sais... L'enfant regarde la façon dont il est, regarde son habillement, et regarde mon habillement. Quand je vais finir ici, je sors d'ici, j'ai un rendez-vous. Il pense à son rendez-vous et il ne pense pas à ce petit bébé, à ce bébé. Et vous savez, la mère ne fera pas ça. Quelle que soit la splendeur de son habillement, même le papa aussi, il va prendre l'enfant, elle va prendre l'enfant. Même si son habit est souillé, est taché, mais il ne s'en fait pas. À cause de l'amour, c'est la même chose. Quand vous pensez à Jésus-Christ, le berger et le Seigneur, l'amour qu'il a démontré, et vous prenez soin des brebis, vous prenez soin des petits, des plus petits, ce n'est pas à propos de votre dignité. Il ne s'agit pas de votre dignité, il ne s'agit pas de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, de votre position dans la société. Il s'agit de l'amour que nous avons. C'est pourquoi il s'est donné lui-même, sans réservation, sans réserver ça. Sa dignité, son honneur, sa personnalité, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Dites-moi la suite, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Il nous sauve, il nous sanctifie, et c'est ce qu'il fait pour pouvoir révéler, démontrer son amour dans notre vie. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi a-t-il fait ainsi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il s'agit là de l'amour qu'il a démontré. Il le fera dans la vie de chacun de nous. Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, que fait-il pour que nous puissions reproduire, dupliquer le type d'amour que le berger a? Qu'en est-il du Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre berger? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour manifester le même type d'amour? Nous venons. Qu'est-ce qui nous montre la voie pour y parvenir? Deutéronome chapitre 30, le verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Il dit qu'il le fera. Alors il le fera. Je dis il le fera. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Pourquoi? Pour quel but? Pourquoi va-t-il nous circoncire? C'est pour que nous puissions. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Comment vous aimez quelqu'un? De tout votre cœur, de toute votre âme. Ce qu'il veut dire, c'est que vous démontrez l'amour. Vous semez l'amour sans penser à quelque chose d'autre. Vous savez parfois,
Supposons que vous voulez vous marier. Permettez-moi de revenir sur le mariage. Regardez tout ce que vous avez. C'est tout l'argent que tu as. Et ta future épouse a besoin de quelque chose. Elle n'est pas encore dans la maison. Tu oublies tout, tout, tu oublies. Tu oublies toutes les restrictions. Tous les interdits que Dieu ne donne pas. Tu oublies toutes les interdictions. Tu oublies même que tu as des dépenses. Tu oublies même que tu as le loyer à payer. Mais parce qu'elle souffre, tu oublies même que tu as besoin de l'argent pour aller. Tout l'argent que tu disposes, tu investis sur elle parce qu'elle doit vivre. Ta femme ne mourra pas. Je dis, ton mari ne mourra pas. C'est tout ce que tu disposes, toute ta pensée, tout ton cœur, toute ton âme, ton amour, tu déverses cela sur elle. Accorde l'amour. L'amour ne calcule pas. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas avare. L'amour ne retient pas. L'amour ne dit pas, je vais calculer maintenant parce que j'ai besoin de cet argent demain. J'ai besoin de cela demain, la semaine prochaine. J'ai besoin de cela l'autre fois. L'amour ne calcule pas. Vous aimez de tout votre cœur. Et si vous êtes circoncis dans le cœur et que votre sauveur a fait cela, et que le berger, et Christ est votre substitut, celui qui vous a devancé pour préparer le sépulcre. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de calcul. Tout ce que tu possèdes, et maintenant, comme ton cœur est circoncis, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, sans restriction, sans réserve. Et c'est de cette manière que nous allons aimer le Seigneur. Je dis, c'est de cette manière que tu as aimé, tu vas aimer le Seigneur. Point numéro 2. Deuxième point, l'amour pur. Parmi les saints, l'amour pur, parmi les saints. Je reviens dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et nous lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, un amour sans prétention, un amour sans hypocrisie. Il n'y a pas, ce n'est pas un amour hypocrite. Vous prenez soin des brebis, vous prenez soin des aïeux, vous prenez soin des gens, vous vous soutenez. Ce n'est pas que vous dites, ils me regardent, je vais écrire un rapport, ils vont répondre aux questions. Si je ne le fais pas, comment pourrais-je avoir quelque chose? Non, il n'y a pas de tel préjugé. C'est un amour qui n'est pas hypocrite, un amour sincère. Aimez-vous, comment? Ardemment les uns les autres. Comment? Dites-le-moi, dites-le-moi, dites-le-moi de tout votre cœur. Revenons encore sur la mère. Voyez la mère, une mère qui garde son bébé. Et elle contrôle son émotion. Elle contrôle son rire. Elle contrôle sa joie. Elle contrôle, elle maîtrise son excitation, son enthousiasme. Et les gens sont là. Je ne veux pas rire en public, je ne veux pas montrer que je suis heureuse, content. Non, ardemment. Et lorsque vous aimez ces saints de Dieu, ces enfants de Dieu, vous êtes content de le démontrer. Vous êtes excité à démontrer. Vous êtes élevé et vous démontrez ça. Et vous savez que voici le point culminant, voici le moment important. Que doit prendre soin des enfants de Dieu. Et vous le faites de façon fervente. Personne ne doit vous l'enseigner. Personne ne doit vous amener à faire. Vous le faites tout naturellement parce que c'est ce qui apporte la joie, procure la joie dans votre vie. Dans le verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole sera permanente dans votre cœur. Cet amour sera permanent dans ton cœur. Romains chapitre 13, 9. Romains 13, verset 9. Israël a du type d'amour dont nous parlons. Le type d'amour dont nous parlons. Il dit dans Romains chapitre 13, Romains 13, quel verset nous cherchons là-bas? Verset 9. Dans le verset 9, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut avoir encore se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain. Tout le monde lise, tu feras quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Levez les yeux un instant, s'il vous plaît. Il y a parfois le moment où nous ne savons pas comment ces choses se produisent. Quand une femme folle au bord de la route, enceinte, elle en état, et cette femme folle, elle met au monde un enfant. Bien que cette femme soit folle, elle pouvait dire, regardez même ses cheveux, quand vous en regardez ses cheveux, même en regardant son habillement, en regardant la manière dont elle se comporte au bord de la voie, vous pouvez savoir qu'elle est folle. Elle met au monde un enfant. Et cet enfant, quel que soit ce qui se passe, cette femme folle va trouver la nourriture pour ce bébé-là. Est-ce que j'ai raison? S'il va pleuvoir, la femme est folle et elle voit que la pluie va tomber. Elle prépare quelque chose pour couvrir le bébé. Voyez cela. L'amour ne fera aucun mal. Bien que la femme folle, lorsque quelqu'un d'autre vient, elle veut faire quand sa folie se lève, elle veut prendre le bâton pour frapper quelqu'un. Mais pour ce bébé, elle ne va jamais utiliser le bâton contre ce bébé. Elle ne va jamais utiliser un objet contre ce bébé qu'elle a avec elle à cause de l'amour. Parce que l'amour dépasse même la folie. L'amour supplante la folie. L'amour supprime la folie. Alors l'amour ne fait aucun mal au prochain. La même chose. Lorsque l'amour du Seigneur est à nous, la même chose, pareillement, nous ne ferons aucun mal. Et l'amour est plus. Nous ne nous soucions pas que nous sommes très éduqués. Nous pouvons être très élevés. On peut faire des choses, on va dire pourquoi faire tout ça, pourquoi agir tout comme ça. Et tout de même, lorsqu'il s'agit, malgré nos positions, lorsqu'il s'agit de prendre soin des brebis, nous aimons. Je dis nous allons aimer. Et maintenant, tu sors de ta zone de confort et tu ne feras aucun mal au sein de Dieu. Alors l'amour ne fait aucun mal au prochain. Verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près. Il s'agit du salut final. Notre salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, il est un fils d'amour, un fils d'amour sans colère, sans haine. C'est un homme, un fils, tout est pour l'amour, sans limite. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous êtes habillé de Christ, comme si vous avez tellement, vos limites sont ôtées, comme c'est seulement Christ qui est vu en vous, vous vous oubliez, et l'amour de Christ est vu en vous, est perçu en vous. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour ait sa transparence. Que l'amour ait sa pureté. Que l'amour coule de manière plus fraîche. Ce n'est pas que je tente, j'essaie de me contrôler pour ne pas les nuire. Bien que je ne sois pas content. Tu es content avec eux, tu es heureux, tu es content avec les enfants de Dieu. Et tu es fier. Alors, et tu sais, il dit, ton amour, que vous, la charité soit sans hypocrisie, sans dissolution, sans dissimulation. Ce n'est pas que vous ne démontrez pas cela, parce que vous devez démontrer, même lorsque vous ne sentez pas aidé. Aimez, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection. Je dis, vous serez plein d'affection. Je serai plein d'affection. Je dis, je serai plein d'affection. Vous savez, l'affection, l'affection n'est pas théorique. Vous êtes ici, vous avez besoin de la nourriture. L'affection va te donner, l'affection va pouvoir aux nourritures, va pouvoir à l'habillement. Le frère a besoin de quelque chose. Alors, l'affection va pouvoir. L'affection, plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, usé de prévenance réciproque. Usé comment? De quoi? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Usé de quoi? À haute voix.
Revenons encore sur la famille. Vous savez, peut-être il n'y a pas assez d'argent dans la maison. Et nous devons acheter la nourriture. Papa doit manger, maman doit manger. Et les enfants doivent manger. Et le bébé qui vient de naître au monde, et tout le monde chante, tout le monde est content. Et cet enfant doit aussi manger. Et tout ce que la mère a préparé, la nourriture, et c'est disponible. Alors, à qui sert-on la nourriture, premièrement? La mère ou le bébé? Mais c'est au bébé. Vous voyez, c'est la prévenance. Vous voyez, nous donnons soin aux gens que nous aimons. Nous prêtons attention, nous donnons d'attention aux gens que nous aimons. Peut-être la mère n'a pas bien dormi pendant la journée. Elle allait de ci, de là, partout. Et maintenant, l'enfant dort maintenant. Et la mère doit rattraper un peu son sommeil. Et l'enfant, tout d'un coup, se réveille et commence à crier. Est-ce que la mère va dire, crie comme tu veux, je vais dormir moi. Et je n'entends plus mon peuple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et d'user de prévenance. J'ai besoin du sommeil. Oui, son repos. J'ai besoin du confort. Son confort numéro un. Mais lorsque vous aimez les gens, vous cherchez d'abord leurs besoins. Même lorsque vous avez vos propres besoins, le Seigneur veut que vous préférez d'autres personnes à vous. Je veux être heureux. Il veut être heureux. Alors, c'est lui d'abord. Je veux la joie. Elle veut la joie. Alors, je lui sais d'abord. J'ai besoin d'être soigné. Elle a besoin d'être soignée. Je prends soin d'être d'abord. Et c'est le type d'amour que Jésus-Christ a démontré. Et il veut que nous ayons un amour pur parmi les saints. Cela va se produire. Verset 11. Ayez du zèle, le nom de la paresse. Soyez ferveur d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ouais, il dit exercez l'hospitalité. Vous comprenez maintenant, à travers toutes les situations que je donne, l'affection est naturelle. Ça coule vers les gens que nous aimons. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Levez les yeux ici pour un instant. Est-ce que vous êtes fatigué de mes illustrations? La maman prend soin d'un bébé, de ce bébé-là. Et le bébé est toujours à la mamelle. Et maintenant, cet enfant commence à pousser des dents. Il a la dent. Et l'enfant est content. Et quelque chose est dans ma bouche. Et je peux maintenant avoir mordre ces choses. Et maintenant, la mère prend soin de ce bébé. Et elle entend d'allaiter l'enfant. Et l'enfant pensait que c'est vraiment une bonne expérience. Je dois faire cette belle expérience. Et je vais expérimenter pour voir si mes dents sont en bonne forme pour vraiment, je vais vraiment mordre pour voir. Et l'enfant mord la maman. Qu'est-ce que la mère va dire? La mère va dire quoi? Donc tu n'auras plus jamais de lait. Tu n'auras plus de mon lait, plus jamais dans la vie. Est-ce que la mère va dire jamais? L'amour va oublier le fait que l'enfant a mordu. L'amour va excuser, va pardonner cet enfant. Ce que les gens font, vous pensez qu'ils ne doivent pas le faire. Peut-être qu'ils ont marché sur vous. S'il n'y a pas d'amour, ok. Si tu me vois encore te visiter, coupe mes pieds. Nous n'allons pas couper tes pieds. Tu vas retourner là-bas encore, là-bas. Je dis, tu vas retourner là-bas encore. Parce que, vous voyez, s'il y a l'amour, nous ne nous soucions pas de ce qu'ils ont fait. Nous ne nous préoccupons pas de ce qu'ils ont dit. Nous ne nous soucions pas de la manière dont ils nous traitent. Ah, parce qu'ils nous persécutent et nous aimons, ils se moquent de nous, nous les aimons. S'ils savaient ce qu'ils font, s'ils savaient ce qu'ils font, ils ne le feraient pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous voyez, il m'a giflé. L'amour ne gît pas.
Je vais répliquer, l'amour ne fait pas ainsi, l'amour n'agit pas ainsi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dis le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Je ne sais pas si vous avez appris à propos de cette histoire. Cette femme et son mari et cette femme sont devenus nés de nouveau. Mais le mari a dit à cette femme, quel genre de nouvelle religion? Né de nouveau. Et la femme a continué à ne pas servir le Seigneur. Et finalement, vous savez, bien sûr, le mari, ce que nous appelons la violence à la maison, la violence familiale. Le mari parfois va battre la femme, les scènes domestiques. Et la femme va aller sur ses genoux pour prier, Seigneur, change-le, convertis-le, sauve-le, Seigneur. Et l'homme s'empirait de plus en plus. Et finalement, l'homme a eu des problèmes Dieu. Et les problèmes Dieu qu'il avait eu, on voulait, il est devenu finalement aveugle. C'était comme de la cataracte, on devait ôter. C'était comme du glaucome et ses yeux étaient complètement aveugles. Mais à l'intérieur, les veines étaient actives. Il y a seulement une seule chose qu'on devait faire. Il pouvait juste ôter un seul œil et trouver le bon œil pour remplacer cela. Et la femme avait les deux beaux yeux, ses deux yeux. Mais la femme n'a pas permis au docteur de dire à son mari qu'elle est en train de livrer, de donner un seul de son œil, de ses yeux. Maintenant, ils sont allés à l'hôpital et le docteur dit, nous allons faire l'opération, tu seras en prière si ça réussit. Et dans le secret là-bas, la femme est allée vers le docteur, ils ont enlevé un œil de la femme et ils ont fait l'opération, la transplantation d'œil au niveau du mari. Et maintenant, ils ont remplacé parce que l'autre œil ne fonctionnait pas. Et quelques semaines plus tard, le mari reprit vie et il reprit sa santé. Et maintenant, comme il est sorti de l'hôpital, il peut voir, tout était clair. Il dit, c'est beau à voir, que le monde est beau, qu'il fait beau à voir. Je peux voir ceci, il peut voir cela. Et le docteur ne l'a même pas dit, celui qui avait donné, offert l'œil. Et finalement, la femme est venue. L'homme devait aller de l'hôpital à la maison. Et pour la première fois, il a regardé à sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé à ton oreille? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton oeil? Et maintenant, il peut voir que vraiment, comme on avait enlevé l'autre oeil, on a bandé. Et le docteur a dit, on a été obligé d'enlever un oeil de ta femme pour vraiment te le donner. Et l'homme a été brisé. Il dit, avec toutes les persécutions, avec toutes les menaces, les mauvais traitements que tu fais, né de nouveau, tu ne dois pas rester dans ma maison. Et tu, malgré ça, tu as donné ton œil. Alors, l'ennemitié a pris fin. Je dis, l'ennemitié a pris fin. L'ennemitié a pris fin. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire réelle qui s'est produite. C'est là de l'amour. Si nous pouvons faire autant, ceux qui nous ont offensés, ceux dont nous pensons, je ne peux jamais le pardonner, si nous changeons et que nous donnons ce qui nous est prêché pour eux, je crois que l'ennemitié sera ôtée. Je dis l'hostilité, je ne vois pas une église excitée. Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dieu te donnera la grâce. Dieu me donnera la grâce. Dis-le pour toi-même. Dieu me donnera la grâce. Il nous donnera la grâce au nom de Jésus. Je lis dans Éphésiens chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5, verset 2. Éphésiens chapitre 5, nous lisons le verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Marchez dans l'amour, dans la charité à l'instar de Christ qui nous a aimés. Ne déambulez pas, ne soyez pas en colère, enceinte de la colère, de la haine, mais marchez dans l'amour. Il doit avoir l'amour dans le cœur, l'amour sur tes yeux, l'amour dans tes pas, l'amour dans tes démarches, l'amour dans ta posture, dans tout ce que tu fais. Alors, dans tout ce que tu fais, tu cherches à ce que, qu'est-ce qu'il doit faire pour démontrer l'amour? Il doit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 25. Le verset 25. Et Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Tu ne dois pas être, vous ne pouvez pas être dans une même maison et vous ne parlez pas. Vous ne pouvez pas être dans une même maison et vous gardez la malice. Et c'est comme si deux chiens vivent sur le même toit. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ainsi, les hommes doivent aimer leurs femmes. Verset 33, comme eux-mêmes, tu ne t'empoisonnes pas, tu ne te détruis pas, tu ne mets pas l'acide sur toi-même, tu ne vas jamais te diffamer toi-même, tu ne dois pas te défigurer toi-même. La même chose, pareillement, pour ta femme, tu prendras soin de cette femme. Alors, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme souligner le mot du reste, ça dit comme, pour que les enfants disent, ah, papa aime tellement maman, pour que les enfants disent, maman aime tellement papa, pour que les autres puissent le voir et le témoigner. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son Marie, cela va se passer. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Là où il y a l'amour, voyez les caractéristiques, voyez les manifestations, les symptômes. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Il nous dit ici, dans le verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Nous pensons dans la même direction. Nous allons dans la même direction. Nous disons les mêmes choses. Nous ne nous contradisons pas. Nous ne nous opposons pas. Nous ne prenons pas les différents chemins lorsqu'il y a l'amour. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Vous savez, dans la famille, il y a des temps où nous pouvons dire que je pars mes gardes. On peut faire que je pars mes gardes. Et quelqu'un va marcher sur ton orteil. Ton orteil, toi, dit qu'il le sache ou pas, je vais lui rembourser. Ce n'est pas là l'amour. Il ne s'agit pas de l'amour. La réplique n'est pas. La vengeance n'est pas de l'amour. La haine n'est pas de l'amour. Payer quelqu'un pour ce qu'il a fait, jeter la pierre contre quelqu'un qui nous a blessé, ce n'est pas l'amour. Il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Tu vas hériter ta bénédiction. Personne ne prendra ta bénédiction. Mais je dis, oui, ma bénédiction, personne ne prendra ma bénédiction. L'amour va préserver notre bénédiction. 1 Corinthiens 13, 1. Lorsque vous voyez le mot charité dans la Bible, cela aussi se réfère à l'amour. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité est patiente. À cause de l'immaturité, vous souffrez, vous supportez. À cause de leur immaturité, de leur insouciance, peut-être à cause de leur vie charnelle, vous supportez. Peut-être à cause de leur rétrogradation, vous supportez, vous endurez. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Elle ne dit pas, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai. N'eût été la vie profonde, ce n'était pas la vie chrétienne, tu n'allais même pas venir au sein de ma porte. Ce n'était même pas... Si je n'étais pas même ouvrier, tu ne devais pas appeler mon nom. Voici ce que c'est. La charité ne sent point. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne semble point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point facilement. Vous savez, un peu de choses seulement. Peu de choses seulement font des gens, irritent les gens, mettent les gens dans tous les états. Et un peu d'erreur, et ils sont hors de leur état, ils sont débordés de colère. Et ils ont parlé, parlé, et ils parlent, ils disent des choses mauvaises. Cela ne va plus continuer ainsi. La charité ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. La charité ne cherche point son intérêt. Voici mon droit. Comment as-tu osé t'asseoir là? Permets-moi de te dire, c'est là que je m'assieds toujours. Comment as-tu osé t'approcher là-bas? Est-ce que ne connais-tu pas ta place? Tu ne connais pas ma place. La charité ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La charité ne pense pas au mal. Vous savez, il y a des gens. Si vous les avez offensés, peut-être ils ne peuvent pas se battre, peut-être ils se battent dans le cœur. Ils disent, si quelque chose de mauvais pourrait lui arriver, il saura que Dieu est en train de me défendre. Ce n'est pas là l'amour, ce n'est pas l'amour. Dieu, rien ne nous arrivera. Rien de mauvais ne t'arrivera. Si vous offensez quelqu'un, et que quelqu'un dise, quelque chose de mauvais arrive. Cela s'apparente à la sorcellerie, hein, à la sorcellerie. Et lorsque tu vous dis cette personne est enceinte, elle ne m'a pas regardé de la bonne manière, elle ne m'a pas bien salué comme elle devait le faire. Ok, Seigneur, donne-lui une leçon. Lorsqu'elle va perdre cette grossesse, non, ça c'est la sorcellerie. Vous n'allez pas perdre de grossesse dans notre église. Je dis, les gens ne vont pas perdre de grossesse dans notre église. Nous annulons toutes ces choses parce que la charité ne soutient pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Point numéro 3 maintenant. Notre amour persévérant pour le berger. Comme nous exécutons notre ministère, comme nous démontrons notre amour au peuple de Dieu, nous démontrons cet amour à cause du Sauveur, à cause de notre substitut et à cause de ce qu'il a fait pour nous. C'est l'amour de Christ qui nous empresse, c'est l'amour de Christ qui nous pousse, c'est l'amour de Christ qui nous active. Il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. C'est l'amour de Christ qui nous tire vers l'avant, qui nous motive, qui nous stimule. C'est cet amour qui nous oblige, parce que cet amour est répandu dans nos cœurs, et parce que cet amour est en nous, est ingéré en nous, et cet amour nous pousse, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous,
tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Lorsque nous comprenons que nous devons aimer le Seigneur parce qu'il nous a aimés et que l'amour de Christ nous presse, nous oblige, nous stimule et que c'est cet amour qui est une force motrice de notre vie, nous savons que nous n'allons pas vivre pour nous-mêmes. Vous savez, ceux qui vivent pour eux-mêmes, je ne peux pas sortir aujourd'hui, je suis un peu fatigué. S'il était bien fatigué, Il peut aller au marché, il peut aller au service, hein, il peut aller à la cuisine. Mais à cause de cette fatigue, de cet inconvénient, je ne peux pas aller à la reine des ouvriers. Cela va changer. Je dis cela va changer. Tout va venir. Et tous les problèmes que nous avons, au moins, vous savez, je suis même plus âgé que quelqu'un devant moi là-bas. Est-ce que je suis âgé que quelqu'un? Le pasteur dit, est-ce qu'il est plus âgé que vous? Si je viens tous les jours, vous allez venir, vous allez compter de venir. La même force que j'ai, vous l'aurez. La même motivation que j'ai, vous l'aurez. Et la même excitation, l'enthousiasme que j'ai, vous l'aurez au nom de Jésus. Vous savez, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est cet amour qu'il veut que nous ayons. Il nous dit dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre, voici ce qu'il attend de nous. Matthieu chapitre 10, 37. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous comprenez, bien sûr, vous comprenez cela. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a versé son sang. Jésus-Christ nous a acquis la rédemption. Et il est allé préparer les demeures au ciel pour nous. Et ton père même ne peut pas faire cela. Même s'il le voulait, il ne peut pas aller te donner une place au ciel. Même ta mère. Et Jésus-Christ t'a donné quelque chose de plus grand éternellement. De ce que ta mère ne peut pas donner. Ce que les choses... La chose naturelle que tu dois faire, c'est d'aimer Christ comme plus que tu n'aimes ton père ou ta mère. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous savez, tu comprends que ta fille ou ton fils ne peut pas te donner une maison au ciel. Et Jésus-Christ est allé, t'a devancé pour préparer des demeures pour toi. Et s'il t'a devancé pour préparer quelque chose d'éternellement plus grand que ce que ta fille ou ton fils ne peut te donner, alors bien sûr tu vas l'aimer plus que ton fils. Tu vas l'aimer plus que ta fille. J'entendais des amen. Et même si tu n'as pas encore de fille, ta fille arrive. Si tu n'as pas encore de fils, le fils arrive. Et puisque Jésus-Christ, c'est lui qui te donne le fils ou la fille, maintenant, pour le fait d'aimer le don, puisque le donateur n'est pas juste, n'est pas correct, c'est celui qui te donne la femme, tu ne continues pas à l'aimer plus que ta femme. C'est celui qui te donne le mari, tu ne continues pas à l'aimer plus que le mari. Amen. Je n'entends pas l'amen. Et tous les dons qu'il nous donne, nous apprécions ces dons, mais nous allons l'aimer plus que les dons que nous recevons de lui. Vous voyez d'autres personnes dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pensez à vous-même. Comment, à quel degré vous aimez le Seigneur? Est-ce que votre amour devient de plus en plus chaud ou il devient de plus en plus froid? Il s'éteint de plus en plus. De moins en moins, vous devenez chaud. Et je prie que cet amour reviendra aujourd'hui au nom de Jésus. Il dit dans le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Je vais persévérer jusqu'à la fin. Mon amour va persévérer jusqu'à la fin. Mon endurance va persévérer jusqu'à la fin. Et mon zèle va persévérer jusqu'à la fin. Je pense que tu vas le dire pour toi-même. Je pense que tu allais le dire pour toi-même. Galates chapitre 2, le verset 4.
J'ai quelque chose contre Apocalypse 2, Apocalypse 4, 2. J'ai quelque chose contre toi. C'est parce que tu as abandonné ton amour. Tu as abandonné ton amour, ton premier amour. L'amour que tu avais, la joie que tu avais. Quand tu avais Apocalypse 2, 4, lorsque tu es sauvé, lorsque tu as commencé le ministère en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, je pense que j'ai enseigné le sondage, le dimanche passé. Quand tu es venu pour moi dans le ministère, la joie, la préparation que tu y mettais, l'investissement et la prière que tu y mettais, tout ce que tu mettais, tu investissais. Maintenant, peut-être maintenant, on te dit, tu vas diriger le dimanche prochain, tu vas diriger le sondage des Écritures. On te dit, oh oui, je fais depuis l'enthousiasme, pas la joie n'est plus là. Et l'allégresse n'est plus là, c'est devenu une routine pour toi. Mais le Seigneur dit, il dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il n'ôtera pas ton chandelier. Tu vas changer et tu vas l'aimer plus qu'auparavant au nom de Jésus. Psaume 119, 47. Psaume 119, 47. Psaume 119, 47. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Vous savez, vous méditez sur la parole du Seigneur parce que vous aimez ses statuts. Verset 97, verset 97, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 10. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. 127, verset 127, verset 127, verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'offre, plus que la monnaie, plus que les billets. J'aime, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Verset 159. Dans le verset 159, considère que j'aime tes commandements, tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Voyez le verset 163. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Verset 165, verset 165, il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Verset 167, mon âme observe tes préceptes et je les aime comme beaucoup. Je ne peux pas m'en passer de la parole. Je ne peux m'en passer des commandements du Seigneur. Je ne peux m'en passer de ma Bible. Moi et ma Bible, nous allons voyager ensemble. J'aime cette Bible. Je dis, j'aime cette Bible. Quelqu'un là-bas, as-tu une Bible là-bas? As-tu une Bible là-bas? Où est ta Bible? J'aime la Bible. Je dis, j'aime la Bible. Je vais toujours lire la Bible. Je vais méditer sur la Bible. Je vais marcher selon la parole de la Bible. Ma Bible sera une possession pour près de moi. J'aime la parole de Dieu. Où es-tu? Je dis, où es-tu? Lève-toi et parle au Seigneur. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Rien, rien, rien ne changera cette. Rien ne va ôter cette parole de moi. Rien ne m'arrachera la parole. J'aime le Seigneur et j'aime la parole du Seigneur. Il m'a aimé parfaitement et je vais faire la même. Je vais lui montrer réciproquement le même amour. Vous démontrez-le pas votre manière de prier. Démontrez-le que vous l'aimez, à combien vous l'aimez. La parole.